Donc, voici comment cirer votre GT pour qu'il aille plus vite. Donc, premièrement, vous avez ici le fer à repasser et vous avez la barre de cire. Aujourd'hui, c'est moins 8, moins 12 parce qu'il fait quand même chaud dehors, moins 10. Donc là, ce que vous faites, c'est que vous faites fondre la barre de cire. Puis là, vous voyez, ça dégoutte. Donc, la cire dégoutte sur le ski. Donc là, vous étendez ça un peu partout sur le ski. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous prenez votre fer, puis vous allez faire fondre la cire sur le ski. Là, c'est un peu compliqué parce que le ski d'un GT est comme un peu raboteux. Il est un peu... ouais, fait que c'est pas l'idéal. Mais ça fonctionne quand même. Donc, une fois que ça s'est fait, une fois que vous avez bien étendu votre cire avec votre fer, vous prenez donc le grattoir et puis vous grattez le surplus de cire. Donc, comme ça. Et voilà, du devant au derrière. Comme ça. Donc là, dans le fond, c'est ça. Donc, vous enlevez là, le surplus de cire. Ensuite, dernière étape pour cirer votre ski de GT. Vous prenez la brosse ici et puis vous brossez. Et voilà, donc là, vous êtes prêt à aller dévaler les pentes.